Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce numéro, on va vous parler d'une Torah, c'est-à-dire le livre saint chez les Juifs, qui a beaucoup voyagé, qui est retourné 80 ans après sur son lieu d'origine. Et on va vous parler aussi d'un escape game assez particulier. Et enfin, on terminera par l'agenda interreligieux. Mais tout de suite, notre premier sujet, comme je vous le disais, c'est une Torah qui a voyagé, qui a été sauvée des nazis durant la guerre 39-45, qui est restée 80 ans en Israël et qui est revenue dans sa synagogue d'origine à Schirmeck. On regarde. La Torah que le grand rabbin de Strasbourg dépose dans l'arche sainte de la synagogue de Schirmeck a toute une histoire. Une histoire qui commence 77 ans plus tôt et qui témoigne, par-delà l'horreur de la guerre et la profanation du lieu, de l'amitié entre juifs et chrétiens, puisque c'est un jeune chrétien, Ernest Bohn, qui va sauver cette Torah. Ce jeune Schirmeckois, au péril de sa vie, s'est faufilé dans la synagogue, a récupéré un Sefer Torah, parce qu'il savait que c'était très important pour la communauté juive. Il l'a caché pendant toute la guerre, et quand les soldats américains sont arrivés avec un aumônier, cet aumônier, comme par hasard, était juif, il a remis ses rouleaux de la Torah à cet aumônier. Les rouleaux de la Torah sont au cœur de la prière juive. Ils contiennent les 5 livres qui racontent l'histoire du peuple juif depuis la création du monde jusqu'à l'entrée en terre promise. Un texte sacré. Ces rouleaux de la Torah, qu'ils doivent être obligatoirement écrits par un scribe qualifié. C'est un rouleau qui prend beaucoup de temps à écrire, il faut en moyenne quasiment un an pour pouvoir écrire un rouleau de la Torah. Eh bien, ce sont fidèlement les mêmes, en réalité depuis maintenant plus de 3300 ans. C'est la raison pour laquelle il y a un attachement particulier de la communauté, parce qu'ils sont finalement le symbole même de notre histoire, de notre attachement à cette histoire. Alors qu'à Schirmeck, après la guerre, cette histoire va être oubliée, la Torah va commencer un long périple de part et d'autre de la Méditerranée. Mon beau-père, il prend cette Torah, il était aumônier au Maroc. En 1956, vu les événements du Maroc, il est parti en France, il a pris cette Torah, et cette Torah après il l'a amenée en Suisse, et cette Torah après il l'a amenée en Israël, et voilà, la Torah était chez nous. En 2014, une association qui regroupe juifs et chrétiens est créée par la municipalité de Schirmeck pour restaurer la vieille synagogue. Alors qu'il distribue des affiches dans un magasin tenu par Thibaut Schreiber, neveu d'Ernest Bohn, son président va redécouvrir par hasard l'histoire de la Torah. C'est là qu'il me dit, mais cette histoire est racontée dans un livre que mon oncle a écrit. Mais sinon, on ne l'aurait jamais su. Si l'on sait désormais que la Torah a été sauvée au sortir de la guerre, personne ne sait ce qu'elle a pu devenir. Mais une nouvelle fois, le hasard va se mêler à cette histoire. À l'occasion d'un voyage organisé en Israël par une association juive caritative, un membre de l'association de Schirmeck va faire une incroyable découverte. Donc on a une loge à Jérusalem qui s'appelle la loge Robert Gamzon. Bien. Et puis à partir de là, on les rencontre parce qu'on voulait discuter un petit peu, échanger. Et moi en vérité, je voulais pas venir à cette manifestation. Comme je suis de Lyon, alors j'ai toujours les quenelles, ça marche pas bien avec la choucroute. Alors il dit je ne vais pas. Et puis en fin de compte, je suis allé. Et à ce moment-là, je dis, je ne suis pas seulement vice-président du Bnei Brit de France, mais je suis également le trésorier de l'association des Amis de la synagogue de Schirmeck. Je me suis levé, j'ai dit, mais j'ai le Sefer Torah de Schirmeck. Je crois que Jacques Bouanana, il a dû prendre le soir deux cachets de tranquillisants parce qu'il n'y croyait pas. L'émotion est grande chez tous les acteurs de cette histoire, dans la vieille synagogue restaurée. Et si l'on célèbre un long périple, on célèbre surtout l'histoire d'une belle amitié. Le côté le plus noble, le plus extraordinaire de cette histoire, effectivement, c'est toute cette dimension interreligieuse, c'est cette prise de conscience de M. Bohn, non-juif, mais qui se sent concerné par le sort de cette Torah. Il se sent concerné par le sort de cette Torah, peut-être parce qu'il a lui-même eu des amis juifs qui lui en avaient expliqué l'importance, ou tout simplement parce qu'il ne supporte pas ce qui est en train de se passer autour de lui. Il ne supporte pas le fait qu'une puissance étrangère puisse s'arroger le droit d'effacer une histoire, d'effacer une mémoire. Vous croyez cette histoire terminée ? Pas tout à fait.
Une deuxième Torah a été sauvée, récupérée par le curé de Schirmeck de l'époque. Personne ne sait où elle peut bien être aujourd'hui, à moins que le hasard soit une nouvelle fois au rendez-vous. Comme je vous le disais, on va parler maintenant d'un escape game, un peu particulier, qui retrace la vie de Charles de Foucault. Faites une photo du truc et on l'emmène. Ouais, okay. Ah oui, bien vu. C'est chouette d'être une équipe. Hein. Drôle d'ambiance dans l'église Saint-Joseph de Colmar. On n'est pas là pour célébrer une messe, mais pour participer à un escape game autour de la vie de Charles de Foucault dans le cadre de la Nuit des Églises. Alors c'est une manifestation qui existe depuis 2011 et qui a été lancée par le service de Nartex, de la Conférence des évêques de France. Et le but, c'était d'animer pendant 10 jours notre territoire, toutes les églises qui pouvaient proposer au moins une soirée afin d'animer autrement leur paroisse et de faire découvrir ce patrimoine exceptionnel que nous possédons. Ce n'est pas un hasard si cet événement a été organisé dans cette paroisse. Il vient actualiser une préoccupation ancienne de la communauté catholique dans ce quartier de Colmar. Les associations ont toujours animé un petit peu ce quartier, les patronages paroissiaux. Bien sûr, cette époque est maintenant révolue, mais il y a toujours chez les paroissiens de Saint-Joseph ce désir d'exister au milieu du quartier et d'apporter un complément d'animation. Plusieurs équipes de 8 personnes vont se succéder dans l'église au cours de cette soirée. Une véritable première pour certains. Moi j'habite dans le quartier et les portes de l'église évidemment sont fermées, donc l'accès au public n'est pas autorisé. Et donc ma première motivation c'était de découvrir l'intérieur de l'église. Derrière, regardez là, juste derrière. Oui. Sinon je pousse un peu. Je cherche le papier, mais est-ce que ce serait... Alors, ça y est, Non, c'est pas... Qui dit « je » dit quelque chose à trouver dans l'église. Il s'agit du dictionnaire français Touareg, rédigé par Charles de Foucault. Une recherche passionnante, mais pas si facile. Allez, il faut qu'on avance. Ça s'est bien passé, on a mis un peu de temps à trouver un indice qui était très important, mais au final, on s'est bien débrouillé, on a réussi à répondre assez vite. Si le but de cette soirée était de découvrir un dictionnaire, c'est peut-être une autre découverte qui restera dans les mémoires. Ce qu'on disait tout à l'heure avec notre groupe, en fait, si on s'était croisé au marché, on ne se serait même pas salué. Alors qu'en fait, là, voilà, on se croise, on ne se connaît pas, et puis finalement, on crée des liens, voilà. Et moi, je trouve ça vraiment super. Une découverte également partagée par la plus jeune génération. Moi, je trouve que c'est super parce qu'on on parle avec d'autres personnes, on fait un jeu, on découvre un peu l'église en même temps. Moi j'aime bien ce genre de choses. Devant la satisfaction manifestée par les participants, quel bilan tiré par les organisateurs? Vous avez plus d'une centaine de personnes qui se sont présentées à nous. Une cinquantaine ont participé au jeu de l'escape game et un peu plus ceux au sein du jardin du presbytère, que ce soit tendant à la buvette ou encore au jeu Charles de Foucault ou encore au découpage avec les enfants. Devant ce succès, rendez-vous est pris pour l'année prochaine à l'occasion de la 12e nuit des églises. On va passer maintenant à notre agenda interreligieux. Fête de la Réformation. Le 30 octobre, les églises protestantes fêtent la Réformation. C'est l'anniversaire de la publication des 95 thèses de Luther le 31 octobre 1517 qui marque le point de départ de la réforme protestante dans toute l'Europe. Rencontre islamo-chrétienne. Du 1er novembre au 4 décembre se déroulera la 22e édition des semaines de rencontres islamo-chrétiennes. Le thème retenu est celui de la fraternité. Le 20 novembre est organisée à l'espace Sainte-Claire à Mulhouse une journée sur le thème « Crise et incertitude, comment ensemble cultiver l'espérance ». Cher Jean Rodin, le 7 novembre, la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg organise une journée de réflexion sur le thème « Solidarités actives, discerner, évaluer, s'engager ». Cette journée est organisée en partenariat avec l'Opéra National du Rhin. Elle se terminera par un récital donné par Léa Desandres et Thomas Dunfort
ayant pour titre « Laisser durer la nuit ». Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.